Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de la nouvelle pédale de distorsion de chez Rev Amplification et c'est le modèle G3. Alors c'est une pédale de distorsion plutôt orientée high gain et qui a surtout la vocation, la prétention de sonner comme un channel d'ampli. Alors c'est souvent le désir de beaucoup de pédales de distorsion évidemment. Mais ici je dois avouer que c'est assez bluffant parce qu'ils sont vraiment approchés tant au niveau du son que surtout au niveau du feeling, le ressenti qu'on a en jouant la pédale, à quelque chose qui se rapproche vraiment très fort d'un channel d'ampli. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une pédale d'un format tout à fait standard, classique, alimentée en 9 volts, avec en haut un EQ 3 bandes basse, médium, aigu. Vous avez ici le volume de sortie, et là vous avez le niveau de gain de la pédale, et vous avez ensuite un bouton qui s'appelle Agression, aggression, oh yeah. Alors, il y a trois niveaux, il y a off, blue ou red, et c'est trois niveaux de saturation différents qui vont du plus gentil au plus couillu, on va dire. Alors, je commence avec le mode agression en off et le gain au minimum pour que vous entendiez la pédale. J'ai enregistré une boucle. Avec un micro, un humbucker chevalet, et on rentre dans un ampli qui est assez clean. Enfin, vous allez voir qu'il est à la limite de tordre déjà. Donc, je vous fais écouter la boucle sans la pédale activée. Donc, ici, agression est sur off, le gain est sur 0. Réglage standard tout à midi. Je passe en mode blue. Et le mode red. L'EQ est super réactif. Donc, si vous cherchez cette rythmique un peu métal avec les médiums légèrement creusés, un peu plus Marshall avec un peu plus de médium.